Je sais que c'est un gâteau que vous allez refaire à la maison. On appelle ça torta caprese. En italien, ça veut dire gâteau de Capri. Vous allez comprendre pourquoi. Je mélange le chocolat à du beurre au bain-marie. 200 g de chocolat noir pour 150 g de beurre. Et une petite pincée de sel, même en pâtisserie, ça relève les saveurs. On ne fait pas de gâteau sans casser deux. En voici 5 que je fouette avec 150 g de sucre. Faut que ce soit bien mousseux, hein. Maintenant, j'incorpore mon beau mélange beurre et chocolat. Alors je vous le disais, ce gâteau serait né en Italie sur l'île de Capri. On raconte qu'Al Capone avait envoyé des employés pour régler quelques petites affaires. Et le cuisinier, ça l'a stressé. Il a oublié de mettre la farine, il a simplement mis la poudre d'amande. Il y en a 200 grammes et vous allez voir, c'est suffisant. Un petit coup de fouet et ça part au four. Et là, j'en suis sûr, ça ne vous a pas échappé, c'est un dessert sans gluten. Pour la cuisson, là aussi c'est du rapide, 20 minutes au four à 170 degrés. Torta caprese. Oh mamma mia, quel beau gâteau italien. Voilà, du chocolat et du sucre glace. Buon appetito.